Là, c'est une bergerie là. Ah non, ça je sais pas. Ça c'est un grenier, mais. Mais dans notre dos, oui, c'est une bergerie. Hein. Il y a des brebis dedans, ouais. Il y avait des brebis dedans. Oui, oui. Toujours, toujours. Oui, oui, c'est celle qui monte l'été au désert de Platé là. D'accord. Bon, il y a toujours quelques-unes qui restent l'été là, mais sinon le gros de son troupeau monte à Platé. Ouais, il monte par la cheminée de Platé, c'est sportif une brebis. Sac à dos. 8 km plein de jours. Sympa hein, cette petite boucle de baie là. Elle est pas mal, oui. Ouais, c'est joli comme tout. Ouais. Alors, une deuxième mais qui descend beaucoup plus bas et qui est plus longue. Et celle-là est vraiment variée, c'est sympa. Oh, mais là sous le soleil, là comme ça. Alors, étrangement, c'est plutôt sur des placements un peu longs, comme dans le Lot, tout ça, les trucs. Dans les Hautes-Alpes, vous avez des transhumants qui viennent de Provence avec leurs troupeaux. Là, c'est la remue. La remue, c'est le fait de déplacer le troupeau du bas du versant vers le sommet.
Il y a des lieux-dits qui s'appellent la remue. Ah, c'est écrit remua, mais on dit remue. Et ils font ça dans la journée ou ils font des épreuves? Ouais, si, si. Ils font des Là, ils partent de chez Pierrot et ils montent à. Et ils montent à Platé. Ils partent à 3-4 heures du matin. Et ils montent à Platé et ils y sont. Là, il se trouve que j'ai été faire réviser les gestes de premier secours au gardien du refuge de Platé. C'était à la mi. En 21 ou 22 juin. Et le jour de l'été, 21 juin. Et le soir, après avoir révisé, le gardien a dit bah, je descends parce qu'à 5h du matin en bas, nous, on part avec les brebis de Pierrot et on les met, il les monte. Et il est arrivé très tôt. Bah, normalement tôt, non, il va être 5h à peu près, vous voyez, des fois. Et là, à 9h, ils étaient là. Oui. Bah, une brebis, ça monte bien. Hein. Voyez, c'est... Donc, ils boivent, non, elles font tout comme ça sans boire. Ouais, elles passent le temps. Où est-ce que... elles ont leur circuit, hein, donc ils peuvent pas vraiment les faire chercher. Bon, après, elles boivent en bas, elles boivent en haut. Voilà quoi, c'est pas. Non, il faut pas se faire du coup. Oui, ça se fait quand même. Mais elles passent. Je sais plus par où elles passent, mais je crois que c'est par un chemin qui est fermé à la randonnée. Ouais. Et elles ont leurs habitudes par là et vous pouvez pas les faire dévier en fait. C'est... Ça marche pas quoi. Et elles ont dû mettre 4 heures à monter. Ouais, quand même. Début de l'été, ouais. Bah, en bas c'est 1000 mètres, là-haut c'est 1000 mètres, 2000. Ouais, c'est pas une super vitesse, hein, 250 mètres à l'heure. Ça va quoi, c'est pas. Ouais. Mais bon, elles sont habituées. Elles remontent la cheminée de Platé. On voit des bêtes qui reconnaissent tout. Ça leur fait pas grand-chose. Hein. Donc, elle part de là où on est parti, quoi, hein, de la grange. Et... Donc, elle reste là-haut combien de temps? Tout l'été. Tout l'été jusqu'à la fin septembre. Donc, officiellement, on dit que c'est la Saint-Michel, la fin de la période d'alpage, le 29 septembre. Ça peut être une redescente d'alpage avant. Hein. Ça va dépendre de la météo. Hein. Il faut avoir un gros coup de froid de neige. Notre cœur est déjà là. Ouais. Oh, il est arrivé le chauffeur. Ah, mais il est juste dans le cas. Cette année, le combat de Rennes, il avait lieu au Contamine le 26 septembre, vous voyez. Le combat de Rennes, c'est que les bêtes sont descendues. Hein. C'était lui. Ah, c'était lui. C'est nous, on nous avait demandé de chercher les secouristes pour faire un poste de secours pendant les combats de Rennes. Ça va être beau à voir, ça, le combat de Rennes. Ouais, moi, j'ai pas fait le poste. Oui, ça doit être beau, ouais. C'est sympa. On a deux copains qui ont été. Merci Vincent.
Madame la Présidente, comment avez-vous trouvé notre séjour au village de vacances de Guébriant? J'ai découvert Guébriant et j'ai trouvé que c'était super. Il y a un site magnifique. En plus de ça, tout est bien organisé, que ce soit l'hébergement, que ce soit la restauration. De plus, tout est prévu hein, pour tout le monde. Le ski, les raquettes, les balades, les jeux, les excursions, les soirées, c'est vraiment super. Et le tout dans une très bonne ambiance. Et j'y reviendrai. Bravo, merci. Merci.